Alors, salut, salut. Nous sommes là à Benjaville, après la cité à Doha, pour la visite de Villa Basse de 4 pièces que voici. Là, les maisons sont livrées ici, mais comme vous pouvez le constater, chaque acquéreur est en train de faire sa clôture pour l'embellissement de la maison. Voilà, donc là, on va rentrer dans l'une des maisons. Voici le salon ici. C'est là le salon. Voilà, une salle d'eau ici. Une chambre ici, l'allée, une deuxième chambre là, et la lumière du jour entre très bien à la baissée du soleil. Okay, la chambre principale est elle autonome. Voici la cuisine ici. Alors, voici la cuisine là. Cuisine au vieux salon. Lui, il va faire sa clôture. Lui va faire sa clôture. Il va vous rester juste l'entrée. L'entrée. Voilà, donc là, c'est ce que nous on fait pour l'entrée principale. Sinon, on ne fait pas une clôture. Chacun clôture, c'est ce qui fait la clôture de la cité. Au fur et à mesure, vous clôturez, vous verrez que les maisons vont se coller. Ça va faire la cité. C'est comme celui-là. Quand il va clôturer après lui, vous allez voir que tout va s'aligner. Et là, voici la voie. Et c'est cette entrée-là que nous on fait. Quand tout le monde finira de clôturer, on envoie les compteurs et les poteaux, on tire le tour de sol ici. Avec l'espace, ça s'arrête. La limite de maison. Oui, oui, ça s'arrête. Là-bas, c'est le terrain de quelqu'un de tout. Ouais, c'est le terrain de tout. Non, peut-être c'est des ventures là, parce que là, c'est des réserves pour la route. À partir de cette maison là, jusqu'au bitume, on peut pas savoir que c'est des réserves. Là-bas, peut-être que ça peut servir de d'aide de jeu. Voilà. Sinon, à partir de la dernière maison, on ferme là. Donc ceux qui vont entrer pourront rentrer là. Ceux qui veulent rentrer par là-bas pourront rentrer. Parce que il y a deux jours là. Oui, il y a deux maisons. Là-bas, c'est pas encore terminé. Non, normalement, il y a une voie qui va passer là. Et cette voie-là, elle mène où? Celle-là, elle va au village. Il y a un village en bas. Ah, d'accord. D'abord.
Il y a un village en bas. C'est le village là qu'on appelle Adjien. Adjien, ah d'accord, je pensais que c'était la lagune. Ou bien la lagune aussi porte le nom en même temps du village. Là où tu vois le truc blanc là. Oui, oui. Le village qui est en bas là. Ah d'accord. Ok. Donc il va y voir, tu vas passer ici pour que ceux qui sont là accèdent à leur maison, ceux qui sont intéressés. D'accord. Donc il reste combien de jours? Il reste deux. Apparemment, il reste la 10. Ah, la 10 là. Voilà. Oui, monsieur. Il y avait ça, et puis celui qui est derrière là. Mais lui n'est pas encore terminé. Il veut venir pour mieux voir tout. Sa cour va s'arrêter juste là où il y a le seau là, donc lui il aura un passage pour aller chez lui à la maison. Son garage sera là, son garage est toujours devant. Les deux dernières maisons, ça c'est parce que là, la dame elle voulait faire une modification, c'est après que ça elle voulait faire la modification depuis la base. On attendait son plan. Aujourd'hui, c'est maintenant le plan arrivé. Les techniciens aussi sont déjà sur d'autres fronts là-bas. Ah, c'est ça. Donc, il va falloir venir un peu vers. Voilà. Donc, c'est la 10. Ici, ils sont. Voilà. Ce sont tous les habitants. Tout fait le tour comme ça jusqu'à devant là-bas. Les gens habitent. Les gens habitent devant aussi. Le lagan, il venait là. Comme on le dit, un terrain n'est jamais loin. Hein. Moi j'aime bien cette route là. La route là, ouais. Ça fatigue les gens, hein. Là, tu aimes bien. Ouais. Ça fait tomber beaucoup de voitures, les gens. Ils... Est-ce que c'est pas bitumé? C'est bitumé, c'est quand ils ont bitumé même, tu connais les gens, ils aiment rouler avec. Ah mais, ah aussi, sinon un virage. J'avais pas mis les bandes. Ok. Ah d'accord, ah non mais là seulement. Ils ont fait leur rallye ici. D'autres sont tombés dans le trou là-bas, d'autres sont tombés ici. Oh. Donc depuis ils ont mis les balles ici. Normalement c'est prévu d'élargir la voie jusqu'à poteau là. Sur le poteau là. Ok. Moi j'aime bien cette route avec la lagune. L'accès par rapport à la voie, c'est pas. Ouais, en tout cas, ouais, la voie est bitumée jusqu'ici, allant jusqu'au village. D'accord. Alors voilà, les villas que vous voyez là sont bâties sur 200 mètres carrés, superficie totale de 200 mètres carrés, et elles sont vendues à 29 millions de francs CFA. Voilà, je crois pas que quelqu'un l'achète. C'est vrai, en l'état actuel, les maisons ne sont pas clôturées, donc l'acquéreur se charge de la clôturer comme le fait celui-ci. Voilà. Donc, ce qui fait que si ça peut lui servir de garage, là, ça lui sert de garage, une cour avant et une petite cour arrière. Voilà, celui-là aussi, il a clôturé la pratiquement fini la clôture de sa maison. Voilà, toute la zone est habitée.
Voilà. Alors, si cette maison vous intéresse, vous savez ce qu'il y a à faire, contactez-nous au plus 225 07 08 71 12 55. Le numéro est aussi WhatsApp au plus 225 01 51 21 60 86. Vous rendez sur notre site internet www.villaabidjanaise.com. Vous scrollez, vous allez voir Villa Abbas, à Benjerville. Voilà, il s'agit de ces villas là, vous cliquez dessus, vous allez avoir encore tous les détails. Et avant de se laisser, on va vous dire, si vous êtes à votre première visite sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, on va se dire au revoir et à plus.